I was like, you guys, we have to go to Hot Door. Un petit mot à dire par rapport au Hot Door ce soir, je croise les doigts pour toi. Hein. Bah écoute, je suis nominée deux fois en tant que meilleure starlette et meilleur site internet, et puis bah, j'espère tout rafler. On fera la fête. I got the hits, I'm getting to take a drugs. I'm in the habit of sex, I ain't in the making love. Avec Axel sur le red carpet, sur Hot Door pour Webix France. Tout à fait. Bonsoir Webix France. Et pardon, on est content d'être avec toi. Tellement de trucs à retenir. Oui, bon, en tout cas, on est content d'être avec toi ce soir et on est content d'y être. Merci, donc, je suis ravie que vous soyez là aussi. Voilà, on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Find me in the club, bottle full of bulls. Look, mommy, I got the head sick, we in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, get in the getting rough. Donc beaucoup de médias hein, ce soir, donc on a vu TF1, on a vu NRJ12, votre vidéo, donc on va essayer de passer une bonne soirée. Le Red Carpet, comme il appelle, comme son nom l'indique, est un petit peu long parce que bah, y a beaucoup de gens et bon, c'est plutôt un gage de réussite. C'est une manifestation où on peut enfin se rencontrer, regarde Rebecca, on ne se croise pas tous les jours non plus. Et puis des acteurs avec qui j'ai bossé il y a longtemps, que je n'avais pas vu depuis longtemps et je suis super contente. Ça fait un petit peu réunion de famille, c'est vrai. Hein De toute façon, le X, c'est une grande famille. Hein. Qui est Lou Charmel Star du X, on peut dire. Hein. Star, starlette, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Non, parce que actrice porno, c'est moche. Comédienne sexuelle. Ouais, ouais, mais faut vraiment que je m'y mette. Mais oui, en plus... Je suis sur internet donc depuis 2000, donc je suis connu sous le pseudo Diaya. Je gère donc un gros site internet qui réunit tous les professionnels de l'internet dans le domaine donc, du porno. J'étais là ce soir pour remettre donc, deux Hot Door, le Hot Door du meilleur blog d'actrice et le Hot Door du meilleur site internet. Donc c'était une première pour les Hot Door, donc content que internet soit enfin un petit peu reconnu. Faut quand même dire que depuis 15 ans internet c'est l'épouvantail quoi. C'est un peu le Far West, faut le dire. Alors ouais, c'est un peu le Far West, mais c'est surtout l'épouvantail. Et bah voilà, faut juste bâtir des offres intelligentes, bosser avec des mecs qui connaissent. Il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Puis on est un petit peu plus pris au sérieux quand on est prestataire de films X. On va pas les nommer, mais Wanadu, Free, etc. Alors qu'on serait venu il y a 10 ans, ils auraient peut-être pas ouvert la porte, je pense, non? Ouais, ils auraient pas ouvert la porte, ouais, c'est clair. Maintenant, ils ont bien compris que le X, c'était ce qui faisait de l'argent. Tous les nouveaux médias, de toute façon, ils sont passés par le X. Ouais, il l'assume pas tous, mais bon, c'est une bonne part de marché quand même. Hein. Ah, j'ai pas dit qu'il l'assumait, ouais, il l'assume pas forcément super bien, mais ça commence. Ouais, ça vient, c'est de plus en plus mainstream, c'est.
Voilà, il y a de moins en moins de honte à regarder un film porno. C'est rentré dans les mœurs. Hein. C'est rentré dans les mœurs. C'est pour ça aussi qu'il faut faire des bons produits de qualité qui leur permettent de ne pas avoir honte de les diffuser et puis de passer au niveau de leur image, ouais. Au niveau de leur image, etc. Donc c'est un tout, quoi. C'est un tout. Faut du trash, faut du gros film, faut du scénario, faut du gonzo. Faut un peu tout, mais c'est important de ne pas partir sur un seul type de film. Je pense qu'on a un petit peu plus reconnu aussi, hein. On disait pas mal de gens d'internet pour une fois, donc ça fait un peu plaisir. On arrive petit à petit à, je dirais pas à s'imposer, mais à être présent en tout cas, et bien. Hein. C'était déjà le cas à la soirée WebX France où il y avait eu pas mal de gens du milieu de la production et des acteurs. Là, ça se reconfirme encore. Bah, je pense que c'est surtout en fait les deux milieux qui convergent, en fait le milieu de la production traditionnelle qui comprend un petit peu où il doit aller, c'est-à-dire qu'il doit aller vers le web, vers nous, de faire le lien en fait entre ce que les webmasters, ce que les clients veulent et la production, c'est-à-dire nous en tant que sponsor-producteur, on est un peu la liaison, le pivot entre ce que les gens veulent et ce que les gens font. Parce que le produit parfait, c'est ça, c'est les gens qui savent faire du contenu qui se vendent et des gens qui savent faire des sites internet qui vendent, donc le mélange des deux, on y arrive progressivement. Hein. Exactement. To have a website is something really special, so I'm trying to. You mean? Yeah, so I try to work a lot because I would love to have really, really nice website. So it's in preparation. To wait and yeah. Make a. Yeah, make a special one. C'est beaucoup de travail et je pense que toute l'équipe et toute la compagnie est contente d'avoir reçu ce prix assez inattendu, on va dire. Fin de cérémonie des Hauts d'Or, donc avec Jenny Hayes. Hello, Jenny. Hi, how are you? Fine, and you? You have something very interesting in your hand. I did. I won a Best American Female Performer. Congratulations. Thank you. It's my first award outside of the United States, yeah. So I'm very excited and very honored. Okay, the first, but not the last. I not hope for last. You, not I the last. I can't wait till June next year when I come back. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? That's a good life. That's a good life. We've met, right?